Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode de ce let's play commenté sur Banjo-Kazooie. Et on s'était arrêté la dernière fois, donc on avait fait les marais moisis et on devait attaquer le pic polaire, souvenez-vous. Oh, un crâne de Mumbo. Hop, déjà une bonne chose de faite. Et avant de commencer le pic polaire, on va quand même explorer un petit peu aux alentours. Parce que là-bas, en face, ici, on a un monde qu'on fera plus tard. Donc là, on va pas y aller pour l'instant, mais là, ici, on a des murs qu'on peut casser. Voilà. Donc là, ok, on trouve des bottes avec des œufs. Bon, je vais récupérer un peu les œufs. Hop, j'en ai loupé un, c'est pas bien grave. Et on va voir de l'autre côté, il y a aussi une autre porte. Ici, voilà. Et qu'y a-t-il ici? Il me semble que c'est un raccourci ici. Ah non, non, c'est pas un raccourci. Oh non, il m'a touché. Alors voilà, là les singes bleus, faut les toucher deux fois pour pouvoir les tuer. Et ça, je sais plus ce que c'est. Ah ok, si. Et bah voilà, grâce à ça, on va pouvoir récupérer la pièce de puzzle qu'on avait débloquée. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, on avait activé un interrupteur qui a cassé le chapeau de la sorcière et il y avait une pièce de puzzle tout en bas. Et donc du coup, grâce à cette plaque de saut, on va pouvoir sauter dans le vase et ratterrir dans le chapeau. Donc voilà, on va faire ça tout de suite, comme ça, ça nous fera toujours une pièce de puzzle en plus, hein. Et voilà. Donc là, voilà, on a récupéré la pièce de puzzle et maintenant, ça s'est ouvert. Donc bah là voilà, là je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire avant de commencer le stage du pic polaire, donc on va attaquer. Hein. On va attaquer les amis. C'est parti. On y retourne et puis ça va être carnage. Ça va être carnage général dans le monde du pic polaire, parce que franchement. Il est pas si... Enfin, d'après mes souvenirs, il est pas si simple. Hein. Ça glisse beaucoup. J'aime bien, j'adore l'ambiance, l'univers de ce stage. Mais il est pas évident, d'après mes souvenirs. Donc, on va voir. Et est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, il y a rien. Ok, on avait déjà été voir au-dessus et on peut pas pour l'instant. Donc voilà, on va commencer le stage maintenant. Et la musique est vraiment cool. Enfin, ce stage est vraiment super. Moi, je l'adore. Il est pas évident, mais je le trouve vraiment génial. Donc là, on va commencer. On va déjà aller dans l'igloo. Hein, on va voir ce qui s'y cache. Ok, là, il n'y a que des œufs. On va récupérer la plume d'or quand même. Moi, je ne crache pas sur les plumes d'or. Ah, il veut pas, ça glisse. Mais il y a moyen, il y a moyen. Non? Comme ça? Ah oui, comme ça, ok. On va rentrer dedans et on va voir ce qui s'y passe. Nya, nos cadeaux, on veut nos cadeaux. Papa Boogie est parti pour les chercher, mais il a disparu. Nya. Ok, bon bah ils veulent des cadeaux, en même temps c'est... Apparemment c'est Noël là-bas. Ah, c'est Noël, c'est la période hivernale. Hein. On peut pas lui parler lui? Non. Ok. Bon, bah, on va aller, on va essayer de retrouver leur cadeau, hein, du coup. Et puis, bah, par la même occasion, leur papa, hein, parce que s'il est parti les chercher et qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il y a peut-être un souci. On va pas oublier les notes de musique. Bah, j'ai mal au ventre, je n'aurais pas dû avaler ce gros truc brillant. Quelqu'un peut-il aider le pauvre Buggy? Ok, donc on a déjà retrouvé le papa. Il est là, et il a mal au ventre. Solution radicale quand t'as mal au ventre dans Banjo-Kazooie, bah c'est tout simplement de faire un coup de bec, hein. Non? Ah non, c'est pas comme ça. Bon bah vous voyez, j'ai des mauvais souvenirs du jeu quand même. Ça fait quand même un moment. Ah non, ça y est, je me souviens comment on fait. Ah oui, en plus j'ai oublié ça quoi. Oh non, j'ai oublié ça. J'y crois pas. Vous allez voir tout à l'heure comment on le fait. Comment on fait, c'est plutôt simple en fait au final. Eux, il me semble qu'on peut les détruire.
Non, pas avec les œufs, c'est en volant. On va voir ça après. Là, vous allez voir vraiment ce stage commence vraiment à... Faut vraiment aller à droite, à gauche et faire plein de trucs. J'en profite pour récupérer les plumes rouges. Je vais me mettre comme ça d'ailleurs. Hop, voilà. Parce que là, vous voyez qu'au moins on glisse pas quand on... Quand on manipule avec Kazooie, on glisse pas. Donc là, faut faire quoi? Voilà, ça, faut bien faire ça. Et nous sommes les Twinklies. Protège-nous et empêche les mangeurs de Twinklies de nous croquer. Si suffisamment d'entre nous... traversons le pont, l'arbre, j'ai pas le temps, l'arbre, en gros, il sera allumé. Donc, vilain. Voilà, ok. C'est comme ça. Donc on va faire plusieurs coups de bec et là il faut 10 petites Twinklies pour pouvoir réussir la mission tout simplement et obtenir, vous en doutez, une pièce de puzzle. Logique. Donc c'est pas bien compliqué, hein, franchement. Ça va, on a largement le temps d'anticiper. Je suis largement... Oh, c'est carrément bon même. J'ai envie de dire 32 secondes pour encore en mettre un. Et voilà, bah, le dernier il va arriver. Et voilà, c'est fini. Mais, vous voyez, on n'a toujours pas la pièce de puzzle. Elle arrive que si on enclenche cet interrupteur. Mais avant, voilà, on va casser la gueule aux glaçons. Là, parce que les glaçons, moi je les aime bien, mais... Que dans le pastis. Non, je dis ça en plus, je déconne, j'aime pas le pastis. Récupère cette alvéole. Même si j'en ai pas besoin, c'est pas bien. Donc là, on va, voilà, garder la caméra, voilà, et on tire nos œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Même un quatrième, pour le coup. Et voilà. Non, oh, brille, petite étoile. Donc là, ouais, il faut... Ah oui, j'avais oublié ça aussi. On a toujours pas cette pièce de puzzle. Il faut aller ici, il y a une plaque pour voler. Et il faut passer 3 fois dans l'étoile, il me semble. Donc on va faire ce qu'il nous demande. Hein. Hop, hop, hop. Et ah, j'ai pas regardé au début du stage combien de mouvements on a à prendre. Je pense qu'on en a au moins un. Ça c'est sûr. Et je me souviens même de quel mouvement c'est. Ah, la galère. Ah, la galère. Oh non. Oh, j'y crois pas, c'est dégueulasse. Oh, comment je me suis viandé la gueule. Oh, bon bah c'est foutu. Je vais récupérer. Ah oh, bah, vous voyez, je parlais de mouvement à apprendre tout à l'heure. Bah, on va l'apprendre tout de suite. Et on va refaire le coup de l'interrupteur, parce que c'est loin d'être compliqué, hein. Là c'est vraiment que j'ai craqué. Il est temps de fendre la bise grâce à... J'ai pas le temps de lire. Une fois en plein vol, appuie sur B et Kazooie foncera comme une fusée. Fais bien attention sur quoi tu fonces, car chaque attaque te coûtera une plume rouge. Tu as appris tous les mouvements de ce monde. Ok, donc il n'y avait qu'un mouvement à apprendre, donc c'est parfait, on l'a déjà appris. Donc maintenant, on a la possibilité de, quand on vole avec Kazooie, si on appuie sur B, il va avoir une belle accélération. Qui, bah, du coup, ça nous permet de faire des charges tout en volant, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. De toute façon, vous verrez, ça a son utilité. Juste, même dans ce stage, ça a son utilité. Hop, et on se casse. On va essayer de faire ça rapidement, bien comme il faut. Non, pas dans l'eau froide. Oui, bah alors là, voilà. Dans ce stage, la particularité aussi, c'est que si on va dans l'eau, ça nous enlève des points de vie. Parce que bah, l'eau est trop froide, en fait. Donc, je vais éviter d'aller dans l'eau. Du moins, pour le moment. Je ne vous explique pas pourquoi, vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, je fonce. Oh, magnifique, c'était magnifique, ça. C'était super bien joué. Le deuxième, voilà. Et une troisième fois. Et ben voilà. C'était pas si compliqué, hein.
Donc là, on va pouvoir obtenir notre première pièce de puzzle, les amis. Et c'est génial. Bon, allez, hop, descend. Oh non, genre, j'étais trop haute. C'est un truc de ouf, quoi, c'est abusé. Un autre crâne de Mumbo, ça nous en fait 21. Je croyais que ça nous en faisait 20. Ben non, on en a 21. On est large, on est très large au niveau A. Souvenez-vous, au tout début du stage, les enfants nous parlaient de cadeaux. Donc on récupère les cadeaux qu'on trouve. Hein, et on ira leur donner les cadeaux. On récupère les notes de musique au passage. Très important. Toulou-doulou. Voilà, voilà. Hop. Et on remonte. Parce que, bien sûr, il y a la pièce de puzzle qui est disponible. Hop, voilà. Première pièce de puzzle de ce monde, les amis. C'est super. Tac, 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 tac. Hop, les plumes rouges. On va les récupérer parce que on en a pas énorme. Hein. Et on aura besoin de voler hein, dans ce stage. Pas mal. Pas un truc de ouf, mais on aura besoin de voler quand même. Hop, descend. Donc là, on va continuer. On va aller où? Chouchou. Parce que là, c'est vraiment les souvenirs qui parlent. Je ne me souviens plus trop. Et déjà, on va récupérer le Jinjo, parce qu'il y a un Jinjo juste au-dessus, j'ai vu tout à l'heure, voilà. Et ces pièces, ces notes de musique. Le premier Jinjo. Donc ça, c'est bien, c'est fait. On récupère vite fait les notes de musique. Hop, voilà, c'est fait. Et on va faire déjà un peu tout le tour du stage, voir ce qui s'y passe. Hop. Il y a un méchant ours carnivore. Donc lui, on sait déjà qu'il a une pièce de puzzle. Faudra la récupérer. Donc on va aller voir tout de suite si on peut pas la récupérer. Non, ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, il bouche le passage de la grotte. On ne peut pas récupérer. Et merde. Ah bah attends. Hop là, j'en profite, hein, quitte à se faire toucher. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment trop froid et du coup, on peut pas aller dans cette eau. Elle est bien trop froide. Ça nous fait un deuxième cadeau. Un cadeau vert. Et un cadeau rouge. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Ok, un méchant. Méchant glaçon. Tac, tac, tac. Ici. On va monter. On va monter là. Et vous voyez, franchement, regardez. C'est beau. C'est super beau. Et là, oui, vous avez déjà vu, vous avez aperçu que là-bas, ici, là, il y a la maison de Mumbo. Donc, on ira faire un tour tout à l'heure. Et vous allez voir en quoi on va se transformer, c'est très sympa. Ouais, limite si je laisse la caméra derrière moi, ouais non, focus. Voilà, voilà. Ouais, j'ai failli tomber. C'est chaud. Hop, donc là on monte le long de l'écharpe du grand bonhomme de neige. C'est super bien foutu quand même. On va récupérer quelques vies parce que... Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il nous en manque un peu. Hein. Non! Non, 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 gros fail de ma part. Oh, puis j'ai failli mourir. Hein. Eh bah, je suis mort, les amis. Oh, pff, oh là, je suis dégoûté. Bon, bah, ce sera la première mort de ce let's play. Il en fallait bien une, hein. On est mort par une boule de neige. Et là, ce qui est vraiment très chiant pour le coup. C'est que bah va falloir récupérer les notes de musique. Et ça c'est très chiant. On en avait récupéré quelques-unes quand même, mine de rien. Je vous rassure, les pièces de puzzle, on n'a pas besoin de les récupérer. Oui, ça je sais, t'as mal au ventre, t'inquiète pas. J'ai un remède pour toi. Mais c'est après. Après. Oui, il fallait bien mourir une fois. Hein. Au moins. Bah ce sera la première mort, ouais, de ce let's play. Bah c'est pas grave. On va reprendre. Au fond, il y a des notes de musique aussi.
Ah là là, dans le sapin, il y a des notes de musique aussi. Bon, vous savez quoi? Je vous fais une petite avance rapide, juste le temps qu'on revienne où je m'étais arrêté, en haut du bonhomme de neige. Allez, petite avance rapide. Donc re les amis, on est de retour en haut, voilà, on va éviter de se casser la gueule. On vient de battre notre record au niveau des notes de musique. Ah, on avait récupéré 56 quand même, hein. C'est pas rien. Donc là on va monter directement. On va essayer de faire tout ce qu'il y a à faire en haut. Comme ça, eh bien voilà, on a le dernier cadeau en plus. Comme ça, c'est parfait. Et ici, il y a un truc pour voler, il me semble. On va aller au-dessus, ouais, voilà. Je sais qu'il y a un truc dans la pipe aussi du. Non. Allez, crevez, bande de dégueulasse. Saleté de glaçon. Hop, donc là, on va récupérer sans se casser la gueule toutes les notes de musique. Avec le joystick, c'est vraiment pas évident. Franchement, et la manette est d'époque, hein. Tout comme le jeu et la console, hein. Parce que oui, c'est un let's play, mais un let's play dans les conditions de l'époque, les amis. Je tiens à le rappeler. C'est pas que c'est moins évident, hein. Le jeu était très très jouable, hein, franchement. Il n'y avait pas de souci. Mais ça n'empêche que une manette de 64, c'est toujours moins bon qu'une manette de Xbox 360 si je jouerais sur émulateur. Donc là, voilà, la solution pour aider le. Voilà. Boum! Allez, ça c'est fait. Carrément. Et il recrache une pièce de puzzle. Tu m'étonnes, il avait mal au ventre, le mec. Il avale une pièce de puzzle, quoi. Faut être un peu débile, mais bon. Donc il s'en va. Le mec, c'est tellement un salaud qu'il retourne même pas voir ses enfants, quoi. Non, non, il s'en fout. Donc là, on va remonter direct. Étant donné qu'on a récupéré les cadeaux des enfants, on va les redonner. Et on aura déjà une nouvelle pièce de puzzle. Allez, récupérez vos cadeaux là, bande de petits morveux. Voilà. Youpi, merci. Et donnez-moi cette pièce de puzzle, s'il vous plaît. Merci. Ah, les musiques de jeu, c'est. Oh là là, c'est vraiment hallucinant comment c'est trop de la balle. Franchement, le jeu, il est surkiffant. Moi, je vous invite vraiment à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Puis ceux qui l'ont déjà fait, bah, refaites-le. Vous prendrez toujours autant votre pied. Franchement, plutôt génial. Donc là, on va aller se faire une petite course avec lui, là. On va d'abord récupérer les notes de musique, comme d'habitude. Et 69. 69 notes de musique. Ok. Encore bonjour. J'attends quelqu'un avec qui faire la course. On va te pulvériser. Désolé, mais vous êtes trop gros pour mon traîneau. Ah, j'avais oublié ça. Ok, donc on est trop gros pour le traîneau, donc on ne peut pas. On fera ça tout à l'heure. Tac, tac, tac. On va. Je suis désolé un peu, là. Je réfléchis en même temps. Déjà, je vais vérifier si je dois pas retrouver. Enfin, refaire le truc pour. Appuie sur B, non, on l'a déjà appris, ok, c'est. Pas parce que j'ai perdu qu'il m'a. Il considère quand même que je l'ai quand même appris, même si j'ai perdu. Une chose au moins qu'on n'a pas à faire en plus si on perd. Donc là, non. Ouais, de l'autre côté. On va se refaire toucher encore. C'est pas le passage idéal là. Je devrais passer par le centre en fait, au lieu de passer par là. Hop,
hop, hop, on va essayer d'aller vite. Hein. Ouais, non, bon, on va aller là, en fait. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait plus grand-chose. On va aller là. Y a-t-il des notes de musique au milieu? Non, je les ai récupérées tout à l'heure. Je sais pas, on ira faire un tour. Tout à l'heure, voilà, donc là, on a quelques notes de musique. Hop, 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 non! Ah, je vais finir par crever encore. Il est où le Jinjo? Il est derrière la maison. Hop là. Donc on a 2 Jinjo sur 5, c'est pas trop mal. Voilà, fais ton flip-flap. Non, non, non! Et là, vous voyez, il y a des notes de musique aussi qui sont dans l'eau. Et là, vous vous demandez comment on les récupère. Patience, les amis, patience. Oh, bah même une tête de mort, super. Je vais mourir. Je vais me faire tuer encore. C'est pas possible. Vous voyez, quand je vous disais que ça commençait vraiment à se compliquer, je ne mâchais pas mes mots. Où sont les boutons de monsieur le bonhomme de neige? Je vais faire un grand tour, je vais prendre assez large pour voir, observer. Non, ils sont pas là. Hop là. Ah bah voilà. Là, faut lui éclater avec la technique qu'on a appris. Voilà. Boum! Faut lui éclater ses boutons. Enfin, ses boutons de... C'est pas ses boutons de puberté, bien sûr. Et la pièce de puzzle qui apparaît en bas. Et il y a encore les notes de musique au sol. Donc on va aller récupérer ça au passage. Voilà. Oh, c'est passé juste à côté, ça. Ok, une note de mort. Mais c'est cool, ça. Oh là 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 là. Je vais me faire canarder. Moi, j'aime pas ça. Eh, tu la récupères, voilà. Une autre tête. Eh, mais là, on est large. On est très large. Hop, on récupère une nouvelle pièce de puzzle. On se casse vite d'ici, puisqu'on va se faire mitrailler la tronche, sinon. Par où on se barre? On va aller par là. Hop, ça passe. Oh là 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 là. Ils me font peur, hein. Moi je les aime pas. Ah bah, de la vie, super, on va pas cracher dessus. Ça c'est clair. Voilà, c'est toujours ça de près. Et là, ce que je vais faire, je vais même défoncer les bonhommes de neige, parce que en plus il me semble qu'il y a un truc de cacher si on tue tous les petits bonhommes de neige. Oh là là, c'est abusé. Non, non. Foiré. Oh là là, je l'ai même pas tué en plus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez, dans ta tronche. Enfoiré. Non. Oh, faut que je récupère de la vie vite. Vite, 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 vite. Oh là là, c'est l'épisode galère là aujourd'hui, les amis. Je veux le dire. Hop, voilà, déjà. Hop, on est plus. Voilà, c'est plus la mort subite là déjà. Oh là là, c'est chaud. Ah, si je galère trop, hein, je forcerai pas. Hein, je vais pas m'amuser à aller défoncer. Oh là là, mais c'est pas évident hein, de tirer sur eux. Putain, bah non. Ah là, vous allez m'entendre sûrement péter les plombs, là, les amis. Ça commence déjà à monter, là, vous voyez. Ah, je vais me les faire, ces salauds. Mais non, mais... Voilà, et de 1... Et de 2, et voilà, ça c'est bon. Ah ouais, on va se les faire là, hein. Pas de pitié pour les bonhommes de neige. Hop là. Mais niveau des crânes de Mumbo là, les amis, on est vraiment, vraiment large. On en a un bon paquet. Allez, vol, 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 ouais, voilà. Bah, oh, mais je suis pas dessus. Voilà. Ah.
saleté. Il en reste un ici. Je crois que c'est le dernier. Et boum! Voilà. Et voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc à débloquer. Et en plus, non seulement il y a la pièce de puzzle qui est tout en haut, mais vous avez vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a un cadre de Grunty qui a apparu aussi, sous un des squelettes. Et en plus, on a eu deux crânes de Mumbo, ce qui est plutôt génial. Enfin, on a eu. On va aller les récupérer, on les a pas pour l'instant. Je vais éviter de... Mince. Je voulais éviter d'atterrir. Il n'y aura pas eu l'animation et tout ça, mais bon, c'est pas bien grave. On est déjà à 6 pièces de puzzle quand même, mine de rien. C'est pas... Ça va. C'est pas négligeable, hein. Je vais descendre juste sur les chars. Voilà, parce qu'il a de la vie. Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. On descend. Hop, hop, hop. On fait ça et on va se faire mal. Voilà, c'était obligé. Ludo, abruti. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, de mes petits fails. Où sont les trucs? Alors là, on a... Ouais, je vais encore me faire toucher aussi. C'est pas cool. Voilà, donc là, on récupère un crâne et de la vie. Oh oui, c'est bien ça. Ah, touché. Ouais, ouais, forcément, c'est pas grave. On perd pas de vie étant donné qu'on la récupère là. Et là, ça nous débloque quoi? Ah oui, ça nous débloque une pièce de puzzle supplémentaire. Mais qu'on ne pourra pas atteindre aussi facilement que ça. Hein. Vous allez voir, vous comprendrez plus tard. On va récupérer là-bas. Ah, on n'a plus de plumes non plus. Hein. Vous voyez comme quoi ça part très très vite, hein, les plumes rouges. Donc faut être assez prudent. Et la jouer plutôt sécure. Il manque... Ouais, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Non, c'est là ou c'est pas là. C'est pas là. Il nous manque un crâne, hein. Si je dis des conneries, vous allez me lyncher. Mais il me semble qu'il manque un crâne. Bon, en même temps, pff, je vais pas aller le chercher. On est vraiment très large. Là, j'ai beaucoup de vie. Ouais, allez, j'ai toute ma vie. On traverse. Normalement, faut y aller en volant. Mais, rien à foutre. Sauf pour revenir, ils ont mis des bottes. À moins qu'il y ait des bottes cachées quelque part, je sais pas. Bon, on peut pas monter là. On va aller directement se transformer. Non, avant, je vais quand même récupérer... Non, rentre dedans. Voilà. On va quand même récupérer les trucs qui est en haut. Ah oui, en plus, là, c'est des notes de musique plus un Jinjo. Donc, il faut absolument récupérer tout ça. Eh oui, quand même, on est à 88 notes, là. Hein. On arrive de la fin, donc 15 sur 29, c'est parfait. Et on se transforme en... Oh non, il y a une erreur. Et bah c'est cool, parce que vous voyez un truc qui est pas souvent là. Oui. Voilà, les vêtements de Mumbo tout sale, je pourrais les laver, ouais. Mais non, je veux pas que tu me transformes en machine à laver. Mais voilà, en morse. C'est un morse, je crois que c'est... Si, c'est un morse. Et là, on ne craint plus le froid, les amis, c'est parfait, parce que... Il y a des notes de musique qui sont à récupérer sous l'eau, juste à côté. Bon, on est bien plus lent par contre. Donc c'est pour ça que je vais me déplacer en sautant. Mais ouais, y a, si, si, il y a des notes de musique quelque part, je sais. Et il y a même... non... Ah, une alvéole supplémentaire. Là, on voyait pas parce qu'il y avait une alvéole de vie simple et il y avait aussi une alvéole de vie supplémentaire. Donc, c'est plutôt cool. Je vais pas courir après, hein. C'est vraiment si elle me tombe dessus, je les prends. Mais sinon, ça, je vais pas le... je vais pas la laisser elle. Mais si, si, voilà, si je... Je vais pas galérer comme dans l'épisode 2 de la baie du trésor à chercher tous les trucs pendant je ne sais combien de temps. Je fais en sorte que ce soit un poil plus agréable pour vous. Bah là, on va aller faire la course de traîneau parce que vu que maintenant... On a la bonne taille. On a la bonne taille pour faire cette course. Donc on va la faire. Et après ça, on va aller voir le morse. Bonjour monsieur le morse. On fait la course. Sautez sur le traîneau si cela vous tente. Eh ben c'est parti mon coco. Non, j'ai dit c'est parti. Mon coco, voilà. Génial. Vous devez diriger votre traîneau et traverser toutes les portes jusqu'à l'arrivée.
Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, partez. Hop, et on va essayer de le griller dès le départ. Encore là, je vous le dis, il y aura une deuxième course à faire. Pas vraiment de la même façon, parce que là, cette fois, on sera à pied. Mais vous voyez, là, il m'a rattrapé. Il colle bien au cul, hein. C'est pas forcément évident à le rattraper. Non, tombe pas, Ludo. Voilà. Hop, voilà. Ah, on peut pas diriger la caméra. Là, on peut même pas changer la caméra. Vous voyez, c'est tu fais comme ça et pas autrement. Hein. Hop, parfait. Allez, laisse-moi. Ah là là, et il me colle trop au cul, c'est chaud. Oh non, il m'a redépassé. Oh non. Allez, dépasse-le, voilà. Hop. Ah, ça va, là, j'ai pris pas mal d'avance. Voilà, premier, c'est bon. Il n'y a pas eu de fail, on a fait ça du premier coup, c'est parfait. Oui, monsieur, rapide de morse, oui, ok, médaille, vas-y, donne-moi la médaille. Oui. Ouais, faut que tu veux t'attaquer à quelqu'un de ta taille, alors que là, tu t'es attaqué à quelqu'un de plus petit et t'as perdu. Mais t'es pas logique, mec. L'ours, t'es pas logique. Donc là, on est à 7, on va avoir la 8ème assez rapidement, parce que vous voyez, juste en bas, là. Ah, coucou le copain. Ouah, un autre morse, prenez ceci. Faites bien attention, un ours puant et un oiseau dingue rôdent dans le coin. Merci, connard. Il parle de nous, bien sûr, hein, donc c'est pour ça que je me permets de l'insulter, enfoiré. Oh là 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 là. On va rentrer à l'intérieur, parce qu'il y a un Jinjo, il me semble. Ah oui, mais non. Faut rentrer à l'intérieur quand on... Ben non, il y a quand même un truc à faire avec le morse, voilà. Dans le petit passage dans l'eau, là, ça, on peut y aller que en étant un morse. Donc on y va. C'est marrant comment il se déplace. Le morse. Et la deuxième alvéole supplémentaire, ça c'est cool par contre, c'est vraiment super cool. Parce que je pensais pas tomber dessus, et au final on les a toutes dans ce stage. Donc c'est parfait, ça se trouve, ce stage, on l'aura fait à 100%. En galérant un peu quand même. Je vous le cache pas. Alors attendez, oui, est-ce que c'est là qu'il y a le truc... Il y a un petit truc assez important que je voudrais vous montrer. Non, c'est dans l'autre salle. Mince, enfoiré ! Saleté de glaçon. Dans l'autre salle, il y a quelque chose qui... Alors je vais pas vous expliquer en détail parce que c'est assez compliqué. Il y a la Nintendo 64 DD qui devait sortir. C'est une espèce d'extension pour pouvoir jouer avec des CD en gros sur la 64. Or, bon, je peux pas vous montrer maintenant, on va y retourner tout de suite de toute façon. On peut pas. Vous allez voir, il y a une clé et on peut pas l'atteindre, on se demande à quoi ça sert. Et c'était ouais pour une extension qui était prévue. Sauf que bah ça s'est jamais fait et le jeu devait bien plus. Grand, bien plus imposant que ce qu'il est. Et il devait être relié. En fait, la suite, c'est Banjo et Tooie. Et les deux jeux devaient être reliés ensemble grâce, justement, on aurait pu, grâce à la 64 DD, switcher entre Banjo-Kazooie et Banjo et Tooie. Et passer d'un jeu à l'autre tout en gardant les statistiques qu'on a. Et du coup, ça aurait fait une durée de vie... Mais nettement supérieur quoi, et franchement Rareware ils avaient prévu des trucs vraiment excellents pour ce jeu, or bah ça s'est pas fait malheureusement, donc bon, je vais vous montrer ça tout de suite. On va se retransformer, hop, voilà. Je sais pas s'il y a un passage spécial avec le morse hors du niveau, je suis pas sûr, c'est pour ça que là je prends pas le risque de ressortir, enfin je vais pas prendre le temps de ça quoi. Hop, donc là on va sauter parce que là c'est très court et quand on saute, je vous le rappelle, on gagne un peu de vitesse. Hop, et on, là maintenant vu que le morse il est rentré dans sa tanière, on peut rentrer nous aussi en tant que Banjo-Kazooie dans sa tanière, dans sa petite grotte, et c'est ce qu'on va faire de suite. On va y aller. Voilà, je vais sauter.
Yahoo! C'est bon. Hop, et là on rentre, on va récupérer le Jinjo Orange. Puis. Alors. Toi, t'as pas un truc à me dire? Ouais, c'est tout? Tu me dis que y'a? Yeah. Hop, et regardez ce que je vous disais. Ça, on peut pas l'atteindre, on peut pas. Je sais, enfin, du moins, si on peut l'atteindre, je ne sais pas comment on fait. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à l'atteindre. Et je crois pas qu'on puisse l'atteindre. Donc voilà, c'est quelque chose qui. Enfin, le jeu aurait dû être vraiment bien plus grand. Et dommage, ça s'est pas fait. En même temps, vous me direz, j'ai pas fait Banjo-Tooie. Parce que, enfin, je l'ai essayé, mais je l'ai trouvé un peu compliqué quand j'étais jeune. Je regarde juste les statistiques vite fait. Nous sommes à 8 sur 10 en pièces de puzzle. Et je retourne pour les notes de musique. 98, il nous manque 2 notes de musique. Voilà. Et un Jinjo. Donc il y a un Jinjo en pièces. Ok. Est-ce que je me casse le cul? Non. On va s'arrêter là-dessus, hein, je pense, les amis. Je vais juste faire un petit tour en volant. Ah non, attendez. Il y a une pièce, je sais où l'avoir. C'est ici. Mais non, je dis des conneries, on pourra pas l'avoir maintenant en plus. Puisqu'il nous faudra un autre mouvement pour la débloquer. Il faudrait revenir dans ce stage. Donc on va. Ah bah. Par contre, ça, je crache pas dessus. Hein. Je tombe dessus, là, vous voyez bien, on est tombé dessus, les amis. Je les prends. Et comme ça. Boum, on a récupéré toutes les notes de musique de ce monde. Super. C'est parfait. Le dernier Jinjo, where are you, Jinjo? Ce serait bien quand même qu'on ait le Jinjo manquant, non? Je sais pas pour vous, moi je trouverais ça plutôt cool. Mais si on le trouve pas là en ressortant, on va pas se casser la tête. Hein. Ok. Il était pas dans le sapin. On va juste aller faire un tour dans le sapin. Je crois qu'il était dedans. Je suis même pas sûr, donc... On va juste voir... On va écouter au bruit. Non, il me semble pas qu'il soit là. Il n'est pas là. Petite technique pour descendre rapidement du sapin. Non, on va se quitter là-dessus, on va s'arrêter, hein, je vais rentrer. C'est là où est le Jinjo jaune, je vois pas où il est. Orange ou jaune, je sais plus c'est lequel. Oui, on va se rentrer. Ça va se terminer sur ça pour aujourd'hui. C'est ici la sortie, voilà. Et on avait débloqué quand même un truc, donc... Génial, ton meilleur score, ok, 200. Donc on va faire juste un petit récap pour... Ah, saleté, ouais. Lui il est apparu, du coup, vu qu'on est rentré une fois dans le monde, le méchant est apparu à côté du monde, logique. Il y a rien de spécial à faire. Si, je vais en profiter pour activer le téléporteur qui est au bout, et enlever cette toile d'araignée qui est là. Parce que les toiles d'araignée, on peut les enlever en... balançant des œufs dessus. Alors, pourquoi, je sais pas. Voilà. Donc là, on n'a rien là-dedans pour l'instant. Vous comprendrez ça au prochain épisode, je crois. Merde, qu'est-ce que je fais? Je vous explique qu'il faut des œufs et... Non, dessus, c'est mieux. Et souvenez-vous, un téléporteur de cette couleur, on en a déjà un. Donc voilà, c'est celui-là. Et maintenant, j'aurais plus besoin... Bon, ça, en plus, vous le voyez pas, vous. Parce que je commence les épisodes toujours un petit peu... J'ai déjà un petit peu avancé. Donc ça, vous le verrez pas. Par contre, pour moi, ça va être bien. Parce que quand je commencerai les épisodes, je pourrais aller plus vite pour arriver jusque-là. Donc c'est pas plus mal. Là, on va juste aller débloquer le prochain stage, du coup. Comme ça, ce sera fait. Le passage que j'aime pas trop. J'aime pas trop ce passage. Il est assez chiant. Mais pour l'instant, on va que à la première partie. Voilà, ici. On n'ira pas plus loin, on ira plus loin plus tard. Et le prochain stage, voilà. Ce sera l'Egypte, les amis.
Et on va se quitter là-dessus. Je vais vous laisser sur, sur ce magnifique... la vallée de Gobi. Je vais vous laisser sur ce magnifique tableau que voici, voilà. Et cette musique, pareil. Oh. C'est toujours la même musique, hein. Mais avec des sons différents, et c'est génial. C'est vraiment génial. Plus tard, bien plus tard, dans quelques épisodes, on ira là-bas. Et après l'épisode où on ira là-bas, à la fin, on ira ici aussi. Donc voilà, on se quitte là-dessus, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le Tsintouan d'habitude, hein, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un petit pouce vert, ça fera toujours plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à balancer vos commentaires, hein, si vous avez des questions à poser, des suggestions, même des petites infos par rapport au jeu, des choses que je ne saurais pas forcément. Je prendrai ça avec grand plaisir. Donc voilà, on va se quitter. Ouais, on va se quitter là-dessus. Je vais juste quand même retourner devant le tableau juste pour la musique. J'adore. J'adore trop. C'est trop bien. Tatoum, tatoum, tatoum. Et là. Ah, j'adore comment ça change. C'est génial! Et 19 pièces de puzzle, on peut même faire les niveaux suivants si on veut. Mais bon, on va faire tous les niveaux quand même. Pas à 100%, mais là on est pas mal, hein, dans les stats. Si je regarde, on va commencer. Donc score total, on est à 500 notes de musique. Donc déjà, au niveau des notes de musique, on a tout récupéré pour l'instant. La montagne perchée, 6 alvéoles sur 6, oui. Donc ça, c'est pas un stage, c'est pas vraiment un stage. Là, c'est entre les mondes. Donc la montagne du Moumou, on l'a fait à 100%. La baie du trésor, on l'a fait presque à 100%, il manquait une alvéole. La caverne de Clanker, on l'a fait à 100%. Le marais moisi, on l'a fait quasiment à 100%, il nous manque 2 pièces de puzzle. Le pic polaire, on l'a fait aussi quasiment à 100%, il nous manque juste 2 pièces de puzzle aussi. Et le prochain monde, c'est la vallée de Gobi. Donc voilà, je vous laisse sur cette musique merveilleuse. Allez, ciao les amis.